Bonjour, enchanté, je suis cheminot. Et il va où le train? Il va par là. Comment ça? Parce que s'il allait par là, il rentrerait dans la gare. Hein. Vous manifestez pendant 3 mois et vous arrêtez fin juin. Pourquoi? Parce qu'après, c'est les vacances. Justement, vous auriez plus d'impact. C'est le plus gros moment où tout le monde a besoin du train pour partir en vacances. Mais nous aussi. Si on résume ce que dit Emmanuel Macron, il trouve que les cheminots, ce sont des privilégiés parce qu'ils gagnent en moyenne 3000 euros par mois et qu'ils ont des avantages sur leur billet de train. Ouais. Et un mec qui veut supprimer ça, c'est un mec qui gagne 15 000 euros par mois, qui est nourri, logé, blanchi, et qui a le train gratuit. Je me suis toujours demandé, les handicapés, ils ont des réductions sur leur billet de train parce qu'ils sont handicapés. Les militaires, ils ont des réductions parce qu'ils servent la France. Et les sénateurs, eux, ils ont la gratuité complète. Ah mais ça c'est normal, c'est parce que les sénateurs, ils cumulent. C'est des handicapés qui servent la France. Vous devez croiser beaucoup de célébrités en tant qu'agent SNCF. Bien sûr. J'ai croisé Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, là, il était en France? Exact. Tiens, d'ailleurs, il paraît que, comme l'espion sur le sol britannique, lui aussi, on a essayé de l'empoisonner. Bien sûr, ouais. Et il a retrouvé quoi dans son verre? De l'eau. Vous avez croisé Jean-Vincent Placé aussi, qui a fini bourré, là, dans une boîte de nuit. Et il a quand même sorti des propos racistes au videur. Il lui a dit, je vais te mettre dans le premier avion pour Ouagadougou. Et il a dû avoir peur, le videur. Mais vous avez déjà vu un politicien tenir ses promesses, vous? Et vous me disiez, Jean-Vincent Placé, vous lui donnez un petit surnom? Je l'appelle mon chéri. Pourquoi? C'est tout pareil, c'est un gros truc enrobé avec de l'alcool à l'intérieur. Je me demandais si le but du gouvernement, c'est de privatiser la SNCF. Comme la SNCF a été financée par les Français, du coup, les Français vont recevoir un chèque. Les autoroutes, ça a été vendu, c'est les Français qui avaient payé, on a pas reçu de chèque. Pour France Télécom non plus, on n'avait pas reçu de chèque. Pour EDF non plus, on n'a pas reçu de chèque. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas un problème avec mon facteur, moi. Ou alors, est-ce qu'on serait pas en train de se faire... Tu sais, la première grosse loi de travail, il l'avait fait passer avant l'euro pour qu'on parle d'autre chose. Et là, celle-là, ils la font passer juste avant la Coupe du Monde. Vous avez pas l'impression que c'est la même chose? Non, c'est pas les mêmes équipes. Faut que j'y aille, moi. Et vous allez où? Je vais prévenir le conducteur. Parce qu'on est un peu en avance, faudrait quand même pas qu'on arrive à l'heure. Donc, bienvenue dans les coulisses de la SNCF. Je vous présente Catherine. Catherine qui est la voix de la SNCF, la fameuse. Oui. Tiens, d'ailleurs, tu peux me dire ça, Catherine, s'il te plaît? Oui. Démonstration. Le train Corail numéro 4800 un 9 et un 1 91 partira voie 3. Bravo, c'est bien. Elle apprend à lire. Mais moi je pensais que c'était des messages enregistrés à la SNCF. Non, sinon ça ferait pas naturel. Tiens, tu peux venir celle-là aujourd'hui, s'il te plaît? Aujourd'hui, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains. Merci de votre compréhension. Disons que vous progressez vachement vite. Parce que celle-là, je suis habituée à la dire. Selon les sondages, il y a plus de la moitié des Français qui soutiennent le gouvernement pour la réforme de la SNCF. Mais les sondages, c'est fait pour dire quoi penser aux Français, hein? D'ailleurs, il y a un des fils de Brigitte qui bosse pour Ipsos. Non, non, ça c'est une fake news, faut arrêter. Il bosse pas pour Ipsos, n'importe quoi. Ah bon? Il bosse pour une filiale de TNS. Vous allez pouvoir lui demander, il est là. Ça va? Ouais, mais quand même, si vous faites partie de la famille présidentielle, ils doivent vous mettre la pression pour que vous influenciez les sondages. Non, ils mettent pas du tout la pression, hein. Non, il me paye. Attends, excusez-moi, j'ai du travail, là. Bonjour, madame. Une petite minute pour répondre à un sondage. Temps, merci beaucoup. Oh. Alors, vous vous sentez prise en otage par la grève SNCF? Petit A, oui, beaucoup. Petit B, oui, énormément. Petit C, oui, évidemment. Petit A, très bien. Vous soutenez le gouvernement dans sa réforme pour la suppression du statut de ses privilégiés de cheminots. Alors, c'était pas une question, madame. Voilà, écoutez, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vous souhaite une excellente journée, hein. Votez pour nous, merci. En tant qu'usager, vous soutenez pas du tout la SNCF? Si, mais là, j'ai un peu l'impression de mettre... Tiens, mais on parle de la dette de la SNCF. Mais là, vous venez quand même de dépenser plus de 2 milliards juste pour changer de nom. D'ailleurs, ça vient d'où, là, ce nom inouï? Ça, c'est le service marketing. Je m'en rappelle. Rémi, il nous faut un nouveau nom. Lynn, oui? Inouï, j'adore. Alors ça, c'est bon, ça. Un génie du marketing. Et c'est déjà lui qui avait trouvé Ouigo. Et ça, ça coûte quand même 2,5 milliards. Voilà. Et ça sert à quoi de dépenser autant pour changer de nom? Il faut bien penser aux vaches dans les prés qui regardent défiler les trains et qui voient des trains moches. Là, ça fait un train joli, regardez, les vaches lisses, inouïes, c'est super joli. Et puis du coup, elles ont le moral. Fait du bon lait. En fait, je te dérangeais pas, toi? J'allais déjeuner. C'est offert au déjeuner ici. Profitez-en, filmez, hein, pour une fois que vous pouvez voir un sandwich SNCF à un prix abordable. J'en ai fini. D'ailleurs, c'est quoi vos horaires? Vos quoi?
En ce moment, avec les grèves, tout le monde parle de refaire un mai 68. Mais c'est pas un mai 68 qu'il faudrait refaire, c'est un juillet 89 qu'il faudrait modifier. Et pourquoi vous le faites pas? Bah j'aimerais bien, mais j'ai pas de machine à remonter le temps, moi. Excusez-moi, on est en quelle année? 2018. Hey, cool votre tenue de voiturier. Vous pouvez me garer la voiture? Merci. Alors, comment ça marche, cette merde? J'ai réussi à le faire marcher du premier coup. Ah, quand même, j'ai peur. Vous seriez pas une mauviette? Ne me traitez jamais de mauviette. On a heurté un truc. C'est qui ces gens? Elle a tué Louis XVI! Le roi, il est mort. Non, non, mais vous inquiétez pas, je connais la suite de l'histoire. Ça allait finir comme ça, je vous ai juste fait gagner du temps. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ah, je viens du futur! Je viens vous empêcher de faire une grosse erreur avec votre révolution. Vous pouvez quand même pas dire qu'on a pris la Bastille et qu'on a dégagé les rois pour rien? Si, si, ça c'est très bien! Parce que nous, on a fait ça pour que vous, dans le futur, vous ayez pas un roi qui privilégie les riches de sa cour et qui laisse les pauvres crever de faim! Vous voulez dire que ça a rien changé? Ah si! Y'a un truc qui a changé. On dit plus un roi, on dit un président. Je suis là pour vous dire que c'est bien d'avoir viré le pouvoir, mais faut pas en remettre un autre à la place! Pourtant, y'a Danton et Robespierre. Non, 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 mais avec eux, ça va faire pareil. Donnez-leur des noms de rue, là, ils seront très contents. Sinon, les petits corses, là, il a l'air bien, là, tu sais, celui qui met sa main dans la poche. Mais non, c'est sa veste. T'as déjà vu un politique mettre la main à la poche? Bah d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bah vous allez apprendre à vous autogérer et à vous unir face au pouvoir. Si la révolution, elle a marché, c'est parce que vous étiez tous unis. Même l'armée, elle était unie avec vous. Je compte sur vous. Ah, j'oubliais. Quelques résultats sportifs. Tenez. Ah, et surtout, n'oubliez jamais. Quoi? Ne misez jamais sur un Français à Roland-Garros. La révolutionnaire? Ah non, moi je suis la boulangère. Je viens de fabriquer mon pain, je l'apporte à ma coiffeuse, comme ça en échange elle me coupe les cheveux. Catherine, qu'est-ce que vous faites ici? Ah bah je vais faire de la lecture à une vieille dame qui m'héberge. Bah vous avez l'air surprise. Ah, on se rend service entre êtres humains, hein. Le monde a toujours fonctionné comme ça. Mais il en pense quoi le gouvernement? Le gouvernement quoi? That's the power of love.